qui se demande pourquoi le Saint arabe est une conférence d'origine qatarée visant à empoisonner les peuples arabes, à détruire leur pays. Sir Fahd bin Abdullah Al-Thani, membre de la famille qatarée au pouvoir et cousin de Tamim bin Ahmed, a déclaré dans un tweet sur son compte Twitter que tout le monde avait été touché par la chaîne d'Al Jazeera et que l'hostilité n'était pas en faveur du Qatar ou des citoyens qataris qui seraient les dernières victimes par elle. Sir Fahd a déclaré, même le Koweït, qui n'a pas boycotté le Qatar, a déclaré plus d'une fois qu'il était blessé par Al Jazeera parce que son opposition à Al Jazeera est en réaction aux actions qu'elle entreprise depuis sa création au milieu des années 1990. Si le spectateur se demandait quel est le but contenu divisé par la chaîne Al Jazeera à propos de nos frères du royaume de Bahreïn, s'agit-il de protéger le peuple de Bahreïn ou maintenir la sécurité de Bahreïn? Absolument pas. Elle tente d'enflammer la rue de Bahreïn et d'achever les plans de l'organisation terroriste d'Al-Hamadain pour renverser les régimes dans le Golfe et dans les pays arabes entiers. Il a ajouté, ce n'est pas un secret pour personne que l'émission a été divisée la semaine dernière par la chaîne d'Al Jazeera et a pour objectif de relâcher ses mensonges sur le royaume de Bahreïn, connu pour classifier les faits, l'histoire et la vérité en faveur des objectifs de l'organisation d'Al-Hamadain.